Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce samedi. Premier poignet de main hier entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la nouvelle équipe gouvernementale. Tous les 54 ministres se sont réunis pour la toute première fois autour du chef de l'État. Un premier conseil de ministres de prise des contacts, mais aussi pour donner les grandes orientations. Le détail dans un instant. Également au sommaire, du sang coule dans le téléphone Apple et le gouvernement congolais a décidé d'attaquer ces géants à la pomme en justice pour utilisation dans ses produits des minerais congolais exploités illégalement provenant de l'Est en proie des conflits. Plusieurs violations des droits de l'homme sont enregistrées lors de l'exploitation de ce minerai par le Rwanda. On y revient dans ce journal. Et enfin, plus de 993 000 doses du vaccin RTS recommandé par l'OMS sont arrivées la nuit dernière à Kinshasa. Premier vaccin antipaludique. Ces doses sont destinées à vacciner les enfants de 0 à 23 mois contre la malaria. Pour ce premier lot, seules les provinces les plus touchées sont concernées, dont la province de Kinshasa. Ces vaccins seront donnés à 4 doses. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régions à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, premier poignet de main hier entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la nouvelle équipe gouvernementale. Tous les 54 ministres se sont réunis pour la toute première fois autour du chef de l'État. Un premier conseil de ministres de prise des contacts, mais aussi pour donner les grandes orientations. Plus de précision avec Guilain Kabalondi. Au grand complet, le nouveau gouvernement de la République pose pour la traditionnelle photo de famille au perron du bureau de la Cité de l'Union africaine. Dans ses rangs, on y trouve ceux qu'on connaît bien, ceux qu'on connaît un peu bien et ceux qu'on découvre. 72 heures après son investiture à l'Assemblée nationale, l'équipe Souminois était très attendue l'après-midi de ce vendredi 14 juin 2024 pour ce premier rendez-vous. 12 heures juste à la cité de l'UA, les grilles s'ouvrent pour accueillir les 54 ministres du gouvernement dit de mission. Ce milieu est familier pour certains, mais pour d'autres, on s'y perd un peu. Ce petit air aux allures de rentrée des classes a également été marqué par la présence du nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, nommé il y a seulement 24 heures et qui vient fraîchement de prendre ses fonctions. Atmosphère détendue dans le couloir et sereine dans la salle de réunion où chacun des ministres est bien installé, y compris la première ministre, chef du gouvernement. Le président de la République est annoncé dans la salle, une entrée applaudie frénétiquement. Pour ce premier contact, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à saluer chaque membre du gouvernement individuellement. Cette rencontre intervient un jour après le 61e anniversaire du président de la République et la première ministre et son équipe n'ont pas voulu passer sous silence cet événement. Voilà pour vous. Merci. Il y a quatre tableaux. Ce sont des masques de toutes les ethnies de la RDC. Avec une cartographie de tous les masques et les provinces. Ce premier rendez-vous a donc été l'occasion pour le président de la République d'exhorter le gouvernement à se mettre très vite au travail. Il a en outre invité chacun au sens de l'engagement, comme l'a mentionné la première ministre au sortir de la réunion. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Après ce tout premier conseil de ministres, le travail devra donc reprendre de plus belle. Nous sommes au service du peuple, au service du pays. Il faut que le travail commence vu l'urgence qui s'impose. Ce sont là le premier mot de la première ministre. Juste après ce premier conseil de ministre, Judith Souminois promet également de mettre rapidement en œuvre les instructions reçues par le chef de l'État. On l'écoute. Ce 14 juin, c'est notre première réunion du conseil de ministres avec le gouvernement dont je suis appelée à diriger en tant que première ministre. Et ça a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État, ainsi que par la confiance qu'il nous a octroyée en nous nommant,
Mais en même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons, au cours de cette réunion, eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Donc, on n'a pas voulu traîner après l'investiture du gouvernement. On a rapidement eu affaire à cette première réunion, dont le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement. Et cela va nous permettre de démarrer rapidement le travail, parce que le pays et le peuple attendent. Les femmes ont eu une part belle au sein de ce gouvernement. J'ai dit des sous-minoires. Elles ont arraché 30% de place, ce qui est une première pour la RDC. Toutes ont reconnu la volonté politique de la masculinité positive du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On les écoute tour à tour. Un tiers des femmes présentes dans le nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka marque l'histoire d'une nouvelle ère du leadership politique au féminin en République démocratique du Congo. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné par ses pairs champion de la masculinité positive, il est capital que la représentativité féminine dans toutes les sphères de la société congolaise soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que par moments, lorsque nous nous battions pour la promotion des droits des femmes dans les instances de prise de décision, c'était un peu comme de la folie. Personne ne pouvait imaginer. Et mon rêve était d'avoir une femme qui est animateur au niveau de chef de corps, chef des institutions. C'est vrai que dans le passé, on a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'exécutif, là, nous venons de briser les plafonds de verre grâce à une volonté politique de la masculinité positive, le chef de l'État, d'avoir nommé une femme premier ministre. Certes, avec plus de 30% de femmes dans la nouvelle institution gouvernementale, le principe de parité n'est pas encore complètement atteint, mais il est clair qu'avec 6 femmes ministres, 3 ministres délégués, 4 vice-ministres et 4 ministres d'État, le gouvernement souminois donne largement l'opportunité à la femme de montrer qu'elle est une actrice à part entière dans le développement et la gouvernance de la nation congolaise. On travaille pour servir son pays et je crois que ces grandes personnalités me permettent de servir le pays à une beaucoup plus haute échelle. Ce sont des responsabilités incroyables parce que genre, famille et enfants, c'est toute la population de la RDC. Parce que les gens croient souvent que le genre, c'est seulement les femmes, etc. Non, non. La famille, chacun de nous est membre d'une famille. Les sentiments de fierté, entre-temps, de nervosité aussi. De fierté parce que être choisi pour assister au Conseil des ministres, en tant que ministre, c'est un signe d'honneur et aussi de reconnaissance de mes compétences, de ma loyauté et de mon engagement vis-à-vis de ma patrie. Ayant obtenu des postes clés, tels que notamment le ministère des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éveil patriotique, nos dames auront certainement l'occasion avec ses positions stratégiques et au travers des 6 piliers du gouvernement de contribuer à la réalisation des 6 engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est beaucoup d'émotions, mais aussi, à côté de ça, le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver devant le chef de l'État qui a eu un discours assez clair sur ses attentes, qui en fait embrasse les miennes. Voilà, c'est ce sens de responsabilité et cette envie vraiment d'impacter que mon mandat soit vraiment un mandat qui va apporter un changement positif dans mon secteur. Très reconnaissante pour les orientations du chef de l'État que nous avons reçues et que nous allons prendre très au sérieux. Ce deuxième mandat sera dédié vraiment à consolider les acquis du premier mandat. Nous devons le faire avec sérieux, avec des principes de bonne gouvernance, de professionnalisme, tenant compte évidemment du fait que nous allons être évalués en tant que ministre en fonction de nos performances. Et je pense que le chef de l'État était très clair là-dessus.
Pas question de traîner le pas. 24 heures seulement après sa nomination, Anthony Kinzo, déjà aux manettes, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie de remise reprise s'est tenue à la Cité de l'Union africaine hier jeudi en présence des secrétaires généraux à la présidence, comme nous dit Patrick Michel Moukoui. Quelques signatures sur le procès-verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kabole, a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre, ministre du Plan, le directeur de cabinet sortant, Guylain Nyembo, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions, avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe. Je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarré et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamole, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps ce que ça représente d'être collaborateur direct du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure. Ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours ou une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints. Et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir, ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guila, vous allez travailler avec moi, j'ai besoin de vous. S'en est suivi un échange en privé entre Guila Nyembo et Anthony Kinzo Kamole avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. Jean-Pierre Bemba Gombo quitte le ministère de la Défense pour le transport. Il remplace à ses postes Marc Kila, envoyé à la formation professionnelle. Crispin Badou, lui, c'est le nouveau patron à l'urbanisme et habitat. Tous, ils ont pris possession de leur fauteuil le jeudi dernier. Nono Hélène Mantekou revient encore une fois de plus sur ces différentes cérémonies de remise-reprise dans ces ministères. Regarde. Les ministères des Pétentiques et celui du numérique ont été fusionnés au gouvernement souminois. Le ministre Augustin Kibasa Maliba, reconduit à ses postes, va piloter ses portefeuilles de l'État. Le professeur Eberhard Kolongele, qui dirigeait le ministère du numérique, a passé les bâtons de commandement au patron des télécommunications congolaises, Augustin Kibasa Maliba, qui promet de travailler avec assiduité pour atteindre les résultats escomptés par les premiers gouvernements du second quinquennat du président Félix Tshisekedi. Il a appelé les deux secrétaires généraux de travailler dans la cohésion pour relever les défis qui les attendent. Noëlla Ayeganato, c'est la nouvelle ministre de la Jeunesse. Elle remplace à ses postes le ministre Yves Boukoulou. Des défis à relever sont énormes pour ce ministère qui est l'espoir de toute la jeunesse congolaise. La ministre Noëlla Ayeganato a dit toute sa détermination pour une jeunesse consciente, utile et dynamique selon la vision du président de la République. Nouvelle tête également au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le ministre Crispin Badou Panzou a pris ses fonctions. À ses côtés, le ministre Didier Tengedito, désormais ministre délégué de l'Urbanisme.
Le ministre Crispin Badou-Panzou remplace le ministre d'État Pius Mwabilou. C'était en présence des cadres et agents de l'administration de ces ministères. Le nouveau ministre promet la rénovation dans ces secteurs en mettant à profit son expertise pour une meilleure gouvernance urbaine. Quant au ministre Molendo Sakombi, il va désormais chapeauter les hydrocarbures. L'ancien ministre des Affaires foncières a pris ses fonctions ce jeudi au ministère des Hydrocarbures. Il remplace Didier Boudimbounomé au sport et loisirs. Bien avant, Molendo Sakombi a cédé son fauteuil des Affaires foncières au ministre Akasia Bandoubola. Cette dernière a révélé ses priorités en mettant un accent particulier sur l'amélioration du système foncier à travers des actions phares. La création d'emplois, c'est le leitmotiv du nouveau patron de l'emploi et du travail, Ephraim Akwaka, qui remplace à ses postes Claudine Doucy. Ajouté à cela, l'amélioration des conditions de travail et l'atteinte des objectifs assignés à la matérialisation du travail décent en RDC. La remise reprise a été présidée par le secrétaire du gouvernement, Igo Mwanza. Au ministère de la formation professionnelle, Marc Ekilali Kombo entre en fonction et remplace la ministre sortante Antoinette Kipulu Kabenga. Les deux personnalités ont eu une discussion à huis clos avant de rejoindre l'assistance dans la salle des réunions du premier niveau de l'immeuble Kassai. Après la lecture et la signature des procès-verbaux et l'échange des signataires, Maître Marc Ekila s'est dit heureux de poursuivre les chantiers hérités dans ces secteurs tout en reconnaissant les travaux abattus par sa prédécesseur qui n'a cessé de plaider en faveur de ses ministères dans les conseils des ministres. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, le ministre Modeste Moutinga accueille sa remplaçante en toute convivialité et les procédures administratives sont bien accomplies. Installée, la ministre Nathalie Aziz Amounana a avant tout souhaité un heureux anniversaire au chef de l'État en les remerciant pour la confiance témoignée. Une bonne représentativité féminine dans les gouvernements Judith Suminwa, obtenir des bons résultats serait une meilleure façon de saluer la masculinité positive de Félix Tshisekedi. Après avoir été investi devant les élus du peuple, le nouveau ministre des Mines, Kizito Kapumba, a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général des Mines, Jacques Ramazani, qui a lu les procès-verbaux sanctionnant cette cérémonie. Juste après, les deux personnalités ont échangé des signataires avant de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour les responsabilités lui confiées. Devant le secrétaire général des Mines, le ministre Kizito Kapumba promet la continuité des efforts entamés par sa prédécesseuse et de bien assumer ses responsabilités. Le nouveau vice-premier ministre en charge de la Défense, déjà sur le terrain quelques heures seulement après son installation, Guy Kabongo Mwadiam-Vite, a été descendu au camp Liesna Kokolo pour discuter avec le famille de militaires. Au-delà d'une simple présentation, il s'est aussi informé de leurs conditions de vie. De détails avec Sandra Nyangitab. C'est par cette ambiance électrique que les femmes militaires ont reçu l'arrivée du tout nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. C'est une première pour ces dépendants des militaires, policiers et gendarmes de recevoir la visite au camp Kokolo d'un titulaire de ce portefeuille. Prenant la parole sous les chants entonnés par ces femmes en guise de bienvenue, Guy Kabombo Mwadiam-Vite a promis de travailler ensemble avec cette communauté pour la réussite de sa mission qui gravite autour notamment du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il dit, je cite, « Je suis venu uniquement pour que vous puissiez me connaître. Je ne connais pas trop vos préoccupations. Voilà pourquoi je rentrerai encore ici pour que nous puissions échanger sur certains problèmes qui vous préoccupent afin de trouver la solution. On fera de notre mieux pour instaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. » Et quelques heures avant, lors de la cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur Jean-Pierre Bemba, le nouveau locataire de l'hôtel de la Défense, Guy Kabombo Mwadiam-Vite, se dit conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend. Il a d'entrée de jeu rendu un hommage vibrant au commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a remercié la première ministre Judith Suminwa pour la confiance placée en lui avant de faire appel aux hommes en uniforme en ce terme. La reconquête de l'espace occupé du fait de l'agression, l'éradication de troupes terroristes et forces négatives, le rétablissement de l'autorité de l'État, le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie exige de nous aujourd'hui
l'abnégation, discipline et sens élevé de patriotisme. C'est par cette chaude poignée de main et cette photo de famille que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale sortant Jean-Pierre Bemba, a quitté l'hôtel de la Défense, laissant ainsi les règnes à Guy Kabombo Modian Vita. Le militaire blessé de guerre, pas oublié par le chef de l'État. Un premier groupe composé de 10 militaires sur un total de 40 se rend soignés à l'étranger. Ils ont quitté Kinshasa le jeudi dernier dans la soirée pour des soins appropriés. Avant de s'envoler, ils ont reçu quelques mots d'encouragement. Regardons. Le premier groupe des 10 militaires blessés de guerre sur un total de 40, accompagnés de quelques médecins soignants, ont quitté Kinshasa ce jeudi 13 juin 2024, tard dans la soirée, pour de soins appropriés à l'extérieur du pays, pressés de recouvrer la plénitude de leur santé pour rentrer au front. Ils ont exprimé leur profonde gratitude au commandant suprême pour son souci permanent pour le bien-être des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. À leurs frères d'armes, engagés au front, ils leur demandent de se battre jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. La nation reconnaissante n'oublie jamais ses valeureux défenseurs, ont-ils insisté. Je remercie le commandant suprême des forces armées à l'initiative finale à l'équipe de l'Ouest à pompier. Avant de quitter Kinshasa, ils ont reçu le mot d'encouragement du commandant suprême par la bouche du général de brigade Kikobia Sambili, commandant de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. Commandant suprême, a tindeli bino message à travers chef à maison militaire, et toi, Sabino Bon. Nenga lo bakana bino, nenga lo bakana bino mikolo nyos. Bozali ba héros ya mboka. Bozako tarisa makila pona mboka. Yé na mission na yé ya combattre la mboka makanisi na nyos bolingo na nyos ezali likolo na bino ako soutenir bino ba oyo bosibo zoki bosibo bo tangi makila ti boko zwali bike sika bokei. Il faut mettre fin aux disparités salariales au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique est formel dans sa lutte. Jean-Pierre Liao l'a dit lors de la présentation des priorités de ses actions dans ses gouvernements. On l'écoute. La politique salariale actuelle a démontré ses limites. Elle est dépassée et porteuse d'injustices et de disparités insupportables. Elle doit au plus vite être remplacée par une nouvelle politique plus juste et plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Le principe qui va désormais prévaloir, c'est celui de l'égalité salariale, mieux celui de l'équité salariale. Voilà pourquoi je m'emploierai dans les jours et semaines qui viennent pour la suppression des zones salariales. Un autre défi prioritaire va être celui de l'amélioration et de l'efficacité des services publics. Le président de la République en a fait l'une de ses priorités majeures. Et nous allons tâcher d'y apporter des réponses rapides. La fonction publique étant au carrefour de tous les secteurs vitaux de la nation et de tous les services publics, nous tâcherons de travailler avec les responsables sectoriels concernés afin de rendre possible cette noble ambition d'innovation du service public dans notre pays. Du sang coule dans le téléphone Apple et le gouvernement congolais a décidé d'attaquer ces géants à la pomme en justice pour utilisation dans ces produits des minerais congolais exploités illégalement. Plusieurs violations des droits humains sont enregistrées lors de l'exploitation de ces minerais par le Rwanda. Aux côtés du ministre de Médias et des Communications, Patrick Muyaya, les avocats mandatés par l'État congolais l'ont dit hier au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Gaëtan Magalan.
un seul sujet au menu de cette rencontre avec le patron de Média, la restitution de la démarche de la RDC aux instances judiciaires sur la complicité de Apple dans la violation de droits humains en RDC. Minerai de son, Kinshasa accuse Apple de s'approvisionner de manière illégale en matières premières nécessaires à la fabrication de smartphones. Tout passe par le Rwanda, un voisin belliqueux, les porte-parole du gouvernement, dans un front médiatique, a trouvé des mots justes pour le nommer. C'est un État receleur et qui a d'autres États, d'autres implications. Au front judiciaire, les avocats de la RDC et ses professeurs déclarent que des actions concrètes sont menées pour faire appliquer le bon droit. Que ce qui se passe dans votre pays, dans l'est du pays, est inacceptable. Il faut agir, il faut trouver des vecteurs d'influence et nous croyons qu'avec cette action, nous allons pouvoir montrer à la fois aux utilisateurs, aux acheteurs de téléphones qui se vendent aux États-Unis et en Europe pour 1 000 la pièce ou 1 000 la pièce, qu'il y a du sang dans le téléphone. Des produits au prix du sang. Au prix du sang coulé, et du sang qui continue à couler chaque jour. Les crimes les plus effroyables et les plus réprouvés par la communauté internationale. Un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été initiées, dont des actions judiciaires intentées devant des juridictions internationales pour obtenir condamnation du Rwanda du fait des violations, des graves atteintes au droit international, les droits de l'homme et droit international humanitaire commis à l'est du territoire de la République. Crimes contre l'humanité, collaboration entre Kigali et Union européenne, réparation de victimes, des journalistes ont étanché par des questions leur soif. Autant on est dans la diplomatie, dans les militaires, dans les judiciaires, dans l'économique et dans les médiatiques, nous irons encore davantage. Le front médiatique, vous avez suivi récemment le rapport fait par les journalistes dans le cadre des enquêtes de Forbidden Stories qui a apporté une part de lumière dans l'entreprise criminelle et des pillages du président rwandais. Nous allons maintenir la vigilance et nous assurer que nous faisons comme gouvernement tout ce que nous devons faire pour ramener la paix dans l'est de la RDC, mais aussi pour recouvrer nos intérêts qui ont été indûment perçus par ceux qui profitent justement du recel de nos minerais. Outre l'appel, Kinshasa compte poursuivre d'autres multinationales impliquées dans cette guerre d'agression causant plus de 12 millions de morts, un génocide oublié par les grandes puissances du monde. Comment renforcer les relations entre l'employeur et la délégation syndicale? Sujet exploité pendant 2 jours au cours d'un atelier entre l'employeur et le banc syndical de la RTNC. Thématique développée par l'inspecteur général urbain du travail. Objectif, avoir une bonne convivialité entre les deux parties. Regardez. Seuls les textes réglementaires constituant la loi qui se sont exprimés pour garantir le bon fonctionnement de la RTNC. Au centre, les mesures de collaboration entre la délégation syndicale et l'employeur au sein de l'entreprise. C'est toute la raison de la réunion d'échange tenue à Africana Palace entre l'employeur, représenté par le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue, assisté du DGA Adolphe Voto, avec l'accompagnement des directeurs centraux d'un côté et de l'autre, le banc syndical. Composé des délégués syndicaux assistés des permanents. L'inspecteur urbain de travail pour la ville de Kinshasa y était associé en vue d'expliciter le mot et phrases. Bref, les dispositions contenues dans ces textes, notamment le code du travail, la convention collective ainsi que le règlement intérieur. C'est pour une meilleure interprétation et compréhension par tous en vue de promouvoir le respect de la procédure dans les revendications et de sanctions. À bâton rompu, les participants de deux parties intervenaient soit pour soulever une préoccupation, soit pour une question de précision. L'inspecteur urbain du travail, Dako Epanzam, s'est dit satisfait de l'esprit de réceptivité et de compréhension observée. Nous étions dans une séance d'échange avec la RTNC, où d'un côté il y a eu les bancs employeurs et puis les bancs syndicales. Les matières abordées au cours de cette séance d'échange, notamment nous avons parlé sur la compétence de la délégation syndicale. Nous nous sommes attardés longuement sur les dispositions de l'article
259 jusqu'à 266. Nous avons eu à rappeler aux délégués syndicaux les rôles ou la limite de leurs compétences et les rôles qu'ils doivent jouer, parce que la délégation syndicale ne doit pas se mouvoir en opposition avec l'employeur. C'est tout simplement une courroie de transmission. Ils jouent le rôle de l'interface. Et lorsqu'il y a des revendications, voilà quelle est la procédure qu'il faut suivre pour arriver à des résolutions. Nous avons également parlé de la procédure pour le déclenchement de la grève, parce que, comme vous le savez, la grève, c'est un des moyens de pression dont recourent les travailleurs lorsqu'il y a conflit collectif au sein de l'entreprise. Donc, pour le banc syndical, représenté par le président national de l'intersyndicale, l'ONDA, pense que l'exercice était bénéfique. C'était dans le cadre d'une échange entre le banc syndical et le banc employeur pour le bien-être de notre patrimoine qui est la RTNC. Et chacun devrait connaître là où sa liberté s'arrêtait et que celle des autres commençait. Tout le monde est satisfait parce que ce n'était pas une séance vaine. C'est quand même une séance qui a apporté un plus. Au nom du directeur général de la RTNC, le DGA Adolphe Foto a clôturé ces échanges. La satisfaction est partagée. C'était d'abord des séances de formation, des rappels des choses que nous connaissons et que nous avons oubliées et qui souvent amènent à des couacs, à des incompréhensions entre nos structures. Et donc nous avons fait appel à l'inspecteur général pour nous rappeler ces choses, pour que nous puissions avoir une même vue de comment l'entreprise évolue, au-delà de nos divergences, au-delà des revendications du personnel et au-delà du souci de voir l'entreprise aller de l'avant. Donc ça valait la peine et nous avons passé 2 jours ici. Et je crois qu'à l'issue de ces 2 jours, il y a eu davantage de points de vue convergents, même si nous savons que les uns et les autres doivent faire des efforts. Il y a des obligations de la part de la direction générale, mais il y a aussi des efforts à faire de la part des employés, des syndiqués à travers la délégation syndicale. À la clôture, les violons se sont accordés avec l'engagement de repartir sur de nouvelles bases. Plus de 693 000 doses du vaccin RTS recommandé par l'OMS sont arrivées la nuit dernière à Kinshasa. Premier vaccin anti-paludique, ces doses sont destinées à vacciner les enfants de 6 à 23 mois contre la malaria. Pour ce premier lot, seules les provinces les plus touchées sont concernées, dont la province de Kinshasa. Plus de précision avec Edith Chala. C'est un premier lot du vaccin anti-paludique. Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a réceptionné 693 500 doses de ce vaccin grâce à l'appui de certains partenaires, dont l'OMS et l'UNICEF. Il est en outre précisé que ce vaccin sera donné en 4 doses, à 6 mois, à 7 mois, à 9 mois et à 15 mois, en suivant les provinces les plus touchées par le paludisme, notamment le Congo central, le Grand Bandundu et Kinshasa, pour assurer une large couverture d'enfants en attendant l'arrivée d'autres lots. Le vaccin étant préqualifié par l'OMS et sécurisé pour les enfants, ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, insiste sur sa qualité tout en laissant la main au ministère de la Recherche scientifique à continuer les recherches dans ce domaine. Nous sommes là pour recevoir pour la première fois en République démocratique du Congo des vaccins pour lutter contre le paludisme. Vous savez que malheureusement le paludisme est une des plus grandes causes de mortalité. Le ministère de la Santé publique a fait le choix d'utiliser ce vaccin pour diminuer la maladie et diminuer la mortalité de cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé souligne que les vaccins contre le paludisme préviennent plus de la moitié des cas chez l'enfant dans l'année suivant la vaccination, quand les enfants sont exposés à un risque de maladie et de décès élevé. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou, Maxime Androukwa. La partie technique a été assurée par Gabi Konga, Jonathan Mubalama, José Dimonekene, Emile Zola, Papi.